pleure son fils, parti chercher la vie, aurait pris pour lui. Hey, 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 elle pense à lui, putain faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui. SFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Et Boué, sans langue de bois. Cache comme jamais, il casse tout sur sa prétendue ruine financière, son aventure avec les éléphants, ses partenaires, ses regrets. Il revient sur l'affaire des frères Boisseau. Ce soir, entrevue, feu et presque étincelle. Signé Eliane Tapé. En 15 secondes, il faut qu'il finisse. Le capitaine vous parle, vous devez l'écouter. Du respect. Les gars là, ce matin, ils ont vu les dents. Vous étiez annoncé en Turquie à la tête de l'équipe des jeunes à Galatasaray et vous voilà aujourd'hui au terrain de la Cire. Vous êtes en vacances? Non, pas forcément en vacances. Au fait, le deal qu'il y a entre Galatasaray et moi, Galatasaray supervise des jeunes joueurs africains. Et une fois qu'ils voient les joueurs et les joueurs les intéressent, moi, ils me font appel. Je vais dans le pays où les joueurs étaient supervisés. Je vais là-bas pour aller voir de mes propres yeux. Et si c'est bon, j'appelle Galatasaray pour leur dire que bon, c'est bon, j'ai vu les jeunes, ça va. Et ils sont bien. Donc Galatasaray maintenant fait une interprétation au club ou à l'académie où le joueur évolue. Et il y a eu déjà combien de joueurs qui sont partis? Bon, déjà, pas ici en Côte d'Ivoire, mais déjà, il y a eu certains joueurs en Afrique du Sud qui sont déjà partis. Revenons sur votre histoire qui a marqué le monde entier. Vous aviez révélé être ruiné, abandonné par votre épouse et vos amis. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette situation? J'ai eu des problèmes avec ma femme, mon ex-femme. Nous avons divorcé. Et tu sais déjà, la loi anglaise... elle est faite pour la femme. Le truc n'a pas été à ma faveur, c'était la faveur à mon ex-femme. Elle a, c'est-à-dire, ils lui ont donné tous les biens. Ils lui ont donné tous les biens qui sont en Angleterre. C'est-à-dire les deux maisons avec toutes les voitures qui sont là-bas. Mais bon, au début, ça me faisait mal. Mais après, j'ai compris que c'est la mère de mes enfants. Qu'écoute tous les biens qu'elle a saisis. Ça va devenir aux enfants. Au fait, elle était montée par certaines personnes. Et certaines femmes de mes amis joueurs. Vous les connaissez? Oui, je les connais, mais bon, j'ai pas envie de dire leur nom. Sinon, moi, je les connais bien. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Il y a des femmes de mes amis joueurs qui ont divorcé. Comme aujourd'hui, elles ont maintenant une association, les femmes en Angleterre, on les appelle les femmes divorcées. Elles sont en Angleterre, moi je les connais très bien. Donc ce sont elles qui ont mis ces choses dans la tête de ma femme parce que moi j'étais loin d'elle. Moi j'étais en Turquie et elle était en Angleterre avec les enfants. Et vos amis dans tout ça? Franchement, moi j'ai pas eu de soutien de mes amis, mais coéquipiers, ceux avec qui j'ai joué en équipe nationale, parce qu'ils peuvent ne pas être mes amis. Mais bon, ceux avec qui j'ai joué l'équipe nationale, même la fédération ivoirienne, aussi ne m'a pas soutenu. Voilà, parce que moi, quand j'entends que non, telle personne est venue en aide à Eboué, mais telle personne, c'est faux. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a appelé pour dire, pour me soutenir. Non, non, non. Personne ne l'a fait, à part une remarque. Et souvent, Baki Kone qui m'appelait, ah, c'est tout, ce n'est pas ça, mes coéquipiers avec qui j'ai joué, personne ne m'a appelé pour me soutenir. Quel soutien vous espériez de la Moi, au fait, moi, c'était juste des contacts. Parce que, mine de rien, j'ai servi mon pays. Et jusqu'à présent, je vous l'avais dit, jusqu'à présent, j'ai encore mal. Vous avez refait votre vie, oui. C'est-à-dire que c'est la dame sur la photo? Oui, oui. Elle, c'est ma future femme qui est là. À part elle, elle m'a plus une autre fille. C'est-à-dire, si j'ai eu
Si elle aussi elle m'a fait bizarre, il m'a plus quelqu'un. C'est la télé. Non, franchement, je ne rigole pas. Hein, il m'a plus quelqu'un parce que moi, je m'attache beaucoup. Ma mère, je l'ai connue il n'y a pas longtemps. Donc, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans. Donc, moi, c'est ma grande mère qui m'a élevé. Donc, l'amour maternel, moi, je n'ai pas eu ça. Et quand je suis avec une femme, moi, je suis à fond avec cette personne. Voilà, et je la prends comme ma mère parce que j'ai besoin de l'amour maternel. Dans une interview qu'il nous a accordée il y a à peu près maintenant 3 ans, Francis Kakou a estimé que vos problèmes ont commencé lorsque vous avez refusé de payer près de 524 millions à votre ex-agent, M. Boisseau. Est-ce exact? J'étais au centre de ce dossier. Effectivement, j'ai été l'agent qui a fait venir Emmanuel Boué à Galatasaray. Mais quand on partait à Galatasaray, il avait 3 mois de contrat restant avec M. Boisseau. Le problème, on avait prévu 800 000 euros pour dédommager Boisseau pour les 3 mois restants. Et j'ai fait en sorte que le club de Galatasaray mette les 800 000 euros à la disposition du joueur pour pouvoir payer les Boisseau. Le problème, c'est que le joueur m'a pas écouté. Aujourd'hui, il paye le prix fort. Quand quelqu'un raconte des bêtises, quelqu'un ment, comme on le dit, ça se sent à son parler. Moi, je vous le dis aujourd'hui, Francis Kakou, s'il me voit, il ne peut pas me regarder de mes yeux. Tout ce qu'il vous a raconté, c'est du mensonge. Francis Kakou n'a jamais été mon manager, n'a jamais été mon agent de joueur. Il raconte ici que c'est lui qui m'a envoyé en Turquie. C'est archi faux. S'il est là encore, moi, je vais vous raconter ça. Ils sont ici en Côte d'Ivoire pour raconter des bêtises aux parents des joueurs ici, pour dire qu'eux, ils ont fait tel joueur, mais c'est faux. C'est archi faux. Au contraire, c'est lui qui m'a mis dans ces problèmes-là. Francis Kakou, sa licence qu'il a, ne peut pas envoyer un joueur en Europe. Il faut comprendre, sa licence qu'il a, ne peut pas envoyer un joueur en Europe. La licence qu'il a, il est obligé d'être partenaire avec un agent européen. Moi, j'étais honnête envers lui. Et lui, il était malhonnête envers moi. Mon problème que j'ai eu avec mes agents, c'est à cause de lui. Selon des informations qui circulaient, vous avez quitté les éléphants suite à des histoires avec l'actuel président de la Fédération ivoirienne de football. Quand tu es un président, il ne faut pas aimer un et puis laisser l'autre. Nous sommes une famille, une équipe, c'est une famille. D'abord, ils ont commencé à enlever Kader Keïta, ils ont commencé à enlever Romaric, ils ont commencé à enlever Bouka, ils ont commencé à m'enlever. Ils ont enlevé Drogba, ils l'ont rappelé. Après, ils ont enlevé Chico. Après, ils ont commencé à enlever des joueurs qui étaient le poumon de l'équipe nationale. Parce que nous, on ne les arrangeait pas, parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne peuvent pas marcher sur nous facilement. Merci beaucoup. Et à vous aussi, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Emmanuel Eboué, actuellement coach au centre de formation d'Olivier Capot. Et ce n'est pas tout. Dimanche de foot vous proposera bientôt un dossier extra complet sur sa nouvelle vie. Un petit message à la nouvelle épouse d'Emmanuel Eboué. S'il vous plaît, ne le décevez pas. S'il vous plaît. Et que Dieu vous aide vraiment. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Tout n'attend que ça. Tu n'as qu'à dire et je serai là. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, maman. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. SFM Bash vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres. Bureau commercial, si à la Riviera Palmeraie, route de Bégerville, Carrefour Ferronnerie. Contact 07 07 47 37. SFM Bash, votre événement, notre engagement. Son fils parti chercher la vie, aurait pris.